Vidéo à partir d'un programme interactif en Flash. Dans cette première page, un retour sur le théorème de Ptolémée qui a été établi sur cette chaîne YouTube récemment. Des points rouges déplaçables. Le rayon du cercle est modifiable. On établit la relation de Ptolémée, ACBD, le produit des diagonales, égale ADBC plus ABCD, la somme des produits des côtés opposés. On peut suivre une vérification numérique en dessous. Page suivante, on introduit un pentagone régulier de côté choisi comme unité ici. On peut toujours modifier le rayon du cercle et on utilise le théorème de Ptolémée pour le quadrilatère ABCD. Avec AB égale BC égale CD égale 1, choisi comme unité la longueur du côté du pentagone. Et AC égale AD égale BD, c'est la diagonale D qui vérifie donc l'équation de Ptolémée, D carré moins D moins 1 égale 0. Une équation célèbre puisqu'elle introduit le non moins célèbre nombre d'or phi, solution positive de l'équation en question. Arrondi 1,618. Page suivante. Le rayon est toujours modifiable. On dit que le triangle rouge obtenu, ACD, est un triangle d'or. La base CD égale 1. Les côtés égaux AC et AD ont pour longueur phi. L'angle sommet CAD qui intercepte cet arc CD qui roule un cinquième du cercle, c'est 18 degrés. C'est 36 degrés. Les angles à la base marqués de deux arcs, 72 degrés. Interviennent également deux triangles verts qui sont dits des triangles d'argent. La longueur de la base cette fois c'est phi. Les côtés égaux BA et BC par exemple c'est 1. L'angle sommet de 108 degrés. Et les angles à la base de 36 degrés. Alors tout triangle semblable au rouge est un triangle d'or bien sûr, un triangle semblable au vert est un triangle d'argent. Un pavage en or et argent, suivant une idée trouvée chez Automate, dont le lien est noté. On part d'un triangle d'argent. Et on construit les triangles de proche en proche, or et argent. On prend l'or et celui-là, or et argent, les deux précédents, pour fabriquer ce numéro 2, deux triangles d'or, pour arriver à cet assemblage qui a trois triangles d'or, on utilise les deux assemblages précédents. Celui-là
est celui-là qui est obtenu par rotation. Par exemple, pour le 5 triangles d'or, on a utilisé le 2 et le 3, et ainsi de suite. On remarquera que les nombres qui correspondent, le nombre de triangles d'or, sont des nombres de la suite de Fibonacci qu'on retrouve souvent avec le nombre d'or. Si on fait la somme des triangles qui interviennent, on a encore une suite de Fibonacci. Page suivante. Alors on a continué, on a fait apparaître ici la construction de l'assemblage avec 34 triangles d'or qui provient donc du 21 qu'on a reproduit ici et du 13 qui a tourné pour arriver là. On est invité à faire l'assemblage pour le rang suivant. Alors cet assemblage-là se déplace avec la souris et tourne avec les flèches du clavier. Alors il faut rechercher un petit peu. Bon, on va vendre la solution. Voilà, un assemblage réussi et qui finit ce petit programme. On remarquera que il y a 89 triangles en tout, dont 55 d'or. Le programme en flash est toujours accessible sous la vidéo.